Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve avec une nouvelle invitée et c'est Yannick. Le nouvel invité, c'est sa sœur, sa grande sœur. Enfin la famille. Voilà, pour cette vidéo, c'est vraiment spécial. C'est pas comme d'habitude. C'est une vidéo plus jeu. Oui, un jeu. Voilà, c'est un petit jeu. J'explique vite fait. Donc, dans ce panier, présentation, se trouvent les lettres de l'alphabet. Et en fait, on doit tirer la lettre. Et la lettre qu'on va tirer, on doit dire un verset. T'as vraiment belle. Un verset de la Bible et on a 5 chances. C'est sur 5 en fait. Ah, 5 chances. Ouais, on va pas jusqu'à la fin parce que sinon ça va être compliqué. On a 5 chances. Voilà, c'est parti. Tu commences? Bon, allons-y. On peut regarder, hein? Tu peux regarder, c'est fermé. Éternel eau. On a 10 secondes pour répondre en fait. Aïe aïe aïe. S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si tu fais les. En fait, c'est ce qu'elle vient de mettre son chronomètre, je pense. Mets le chronomètre. On a dit quoi? 10 secondes. On a encore 10 secondes? 10 secondes pour trouver. Allez. Play. 10 secondes, c'est le temps que mon cerveau commence à réfléchir. Attends, mais après avoir pioché quand même. Non. J'ai le coco ouvert, attends. Là. J. Jeunes et vieux se réjouir. J'ai pas des chansons. J. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. C'est dans la vie, ça y est. Mais c'est pas ça. C'est pas dans la vie. J'ai jamais vu ça dans la vie. On va comptabiliser les points à la fin. On va vérifier. La lettre P. Pardonnez-vous les uns les autres. C'est bien. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est ça. Bon, pas ça. On va vérifier après. C'est dur. Tu vois que je t'ai fait ça. Oh. Obéissez. Jeune, obéissez à vos parents. Ça va commencer par où? Ah non, là, les gens vont dire que bon. Attends. Ils savent pas, ils savent pas. Attends. Désolé, la vidéo a coupé, du coup on reprend. On était à 0-0. On reprend? Non, on était à 0-0. Ok. Allez, c'est à qui? C'est à toi. Alors, la lettre I. Voilà. Invoque le Seigneur de tout ton cœur. C'est quelle lettre? C. C. Attends, mais 3. Tu as fait un voyage comme moi. Non, j'ai fait en même temps. Ok, je te vois dans la nuit. C. Crois ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme et de toute ta pensée. C. Ça existe. Tu vas chercher là. Ça existe. Non, c'est aime ton Dieu. Voilà, parce que. Non, c'est aime ton Dieu. La lettre L. Je prends. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Ok, je le pointe. Non, mais c'était moi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Après, j'ai envie de dire qu'on est sort, donc on peut se partager les points. Donc, E, 0. Et M. Médite la parole jour et nuit. Médite la parole jour et nuit. Comme le papier était gros, ça vaut 2 points. Ensuite, à moi. J'ai garde ton cœur pur plus que toute autre chose. Parce que c'est de là que viennent les grâces de l'Éternel. Un truc comme ça. C'est chaud. Bon, en tout cas, le début c'était ça. Voilà. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Voilà. Ok, lettre qui là hein? Comme ça. Je pense. Unissez-vous, frères et sœurs. Je suis sûre qu'il y a ça. Je suis vraiment sûre qu'il y a ça. Moi aussi. Alors, ça fait 2, 2, il reste 1 pour nous départager. V. V.
Veillez les uns. Veillez sans cesse. C'est voilà. Prier sans cesse. Mais ça dépend des versions. Oui, il y a Louis Servon, il y a la Bible courante. Mais oui, les possibilités sont innombrables. C'est vrai. Donc ça fait 3 tout même. 3, 2. S. Ah, facile. Facile quoi. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse. On peut dire des chansons. Sachez. Ça fait 3-3 alors. Donc on prend un autre. Je vous départager. Hé, hey, moi, si tu me fais un truc avec c'est les chants, ça va. C'est un X. Attends. B. Dieu est bon. Dieu est bon. En tout temps, il est bon. Tu non. Pourquoi la mentalité, la pensée? Allô, Mamoudette. Oui, nous sommes... Qu'est-ce qu'il y a? Hey, maman, en fait, moi, je vais me prendre une vidéo. Donc, on disait qu'on a tous les deux 3 et 3. Ouais, allez, un dernier. Bah, on dit qu'on est toutes les deux gagnantes, hein. Pourquoi ouais, bah, on est toutes les deux gagnantes. De toute façon, dans le Seigneur, on est toujours tous gagnants. Voilà, on a toutes les deux gagnées. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air et à dire... On a gagné quoi? La satisfaction de connaître les passages bibliques. N'hésitez pas à jouer le jeu aussi pendant qu'on dit les lettres, vous êtes chez vous, vous amusez et tout ça. Et puis voilà. Bisous.